résumé vous est proposé par Heineken. Et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League. Quelques semaines, Lyon peut quand même disposer d'un Anthony Lopez en super forme, le gardien portugais qui va peut-être devoir s'illustrer ici. Ouf, la sortie et le sauvetage. Ça, je pense, Thomas, que c'est le genre de situation qu'on va revoir des dizaines de fois peut-être. Ça, c'est pas trop bien donné, ça. Par contre, là, il peut. Ouf. Et là, Ederson, franchement, chapeau. Parce que j'ai le sentiment que ce ballon était légèrement dévié. Non, il n'y a pas d'hors-jeu. Il passe ou pas. Oh, l'intervention, elle n'est pas terminée. Maintenant, c'est but, ça. Oh, le but. Le but de Lyon. Il reste calme, Rudy Garcia, parce qu'il sait qu'à la 23e minute et donc à la moitié de cette première mi-temps, c'est encore corné. Mais décidément, cette équipe de City l'inspire, l'ancien attaquant. Bon, il n'est pas, parce que sur le bas, en bas, ouais, là. Si on se fie aux lignes du gazon, je sais que c'est dangereux, mais. Non, pour moi, il n'y a pas d'hors-jeu, Thomas. Pour moi, il n'est pas. Très honnêtement, je ne crois pas. À voir comme cela, avec une caméra évidemment qui n'est pas dans l'axe de l'action. Ouais, c'est but, c'est normal. Partition parfaite pour l'instant de Lyon, Marc. Oh, l'extérieur, il est magnifique, avec Anthony Lopez. Il est en forme aujourd'hui. On reste calme pour l'instant du côté de City. Pourtant, si on a le temps de jeter un coup d'œil sur le marquoir de ce magnifique stade qui est le José de Balade, on va bientôt se rendre compte que rapidement, il ne reste plus que 20 minutes. Et que cette balle, elle est pas mal avec Sterling qui passe. Il s'est fait un petit peu avoir là. Et c'est De Bruyne qui marque. Ah, il s'est fait avoir sur ce crochet de Sterling. On s'est jeté. Et finalement, De Bruyne, il a peut-être dans ses statistiques perdu beaucoup de ballons, mais celui-ci, il le met au fond. Oui. Regardez ce ballon-là. Il est très subtil dans le dos de Neuer, qui est un petit peu trop haut à ce moment-là. Il se fait manger par ce crochet. Et là, De Bruyne, il ne pouvait pas se louper en retrait. Il y en a eu des ballons en retrait comme ça de Sterling. Hein. Il y en a eu effectivement, mais même, il faut encore la mettre. Hein. Thomas, il vient comme ça, pouah, comme il l'ouvre bien à son pied. Pouah. Cacré encore. Cacré. Il n'est pas lui, Dembélé. Il n'est absolument pas. La balle de Ederson. Et ça va au fond. Mais il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu, Dembélé. Il n'est pas du tout. On revoit là. C'est encore Cacré, hein, qui récupère. C'est Ekambi qui l'est. Ah ouais, mais Ekambi va laisser passer. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il la touche. Il la touche, mais est-ce que ça va influencer? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il le laisse. Il le laisse. Goal check. Incroyable. Attention, Cornet, il est dépassé. Et il faut se parler, là. Il faut se parler, parce que là, il y a une position pour Gabriel Jesus. Qui frappe l'égalisation, c'est pas vrai! Mais ce n'est pas possible ce que vient de faire Sterling. Il était hors-jeu, non? J'espère pour lui. J'espère pour lui qu'il était hors-jeu. Non, il n'était pas du tout. Jamais. Il n'était pas du tout hors-jeu. Oh là 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 là. C'est pas possible. À genoux. Voilà. Il est maudit, lui. Il y a eu un petit fourbon, c'est pas possible autrement. Je sais pas. Oh, la Cacré avec la possibilité maintenant, avec Adélaïde Aouar. Je vous dis qu'il a des responsabilités. Il nous tente un petit ballon qui est lâché avec le but de Badawi. Le but de Dembélé. Ah, moi,
crois qu'il soit hors jeu? Non, je pense pas. Je pense pas. Et c'est terminé, Thomas. C'est terminé. City va être éliminé de cette Ligue des Champions. Quel camouflé! Décidément, après Barcelone, Pep Guardiola, il n'est pas bon d'avoir été catalan un jour dans sa vie. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.